Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon énigme de maths que j'ai faite moi-même. Alors je vais vous faire la solution. Donc pour commencer, la première étape, c'est ici, tu dois compter le nombre de poissons. Donc si vous avez regardé attentivement, vous aurez pu voir que j'ai caché un deuxième poisson derrière le premier. Alors techniquement, il y a 4 poissons. Donc, la première chose que tu vas faire, tu vas diviser 56 par 4 pour trouver la valeur de 1 poisson. Puis, 56 divisé par 4 donne 14. Alors, chaque poisson vaut 14. La deuxième étape, il faut que tu trouves ce que vaut les tipis. Ici, j'ai caché des poissons sur chaque tipi. Alors, on doit enlever la valeur des poissons aussi avant de trouver comment vaut un tipi. Alors, 3 poissons, la valeur de 1 poisson, c'est 14. Alors, 3 fois 14 donne 42. Alors, tu prends le total ici qui est 66 moins 42 qui donne 24. Alors, puisqu'il reste 3 tipis seuls sans poisson, on peut diviser 24 par 3. 24 divisé par 3 donne 8. Alors, chaque tipi seul sans le poisson vaut 8. Troisième étape. La première chose qu'on va faire dans cette étape, c'est d'enlever la valeur du tipi du total. Alors ici, le total c'est 47, alors il faut qu'on enlève la valeur du tipi. Mais comme vous pouvez voir, le tipi ici a encore un poisson. Alors, on va prendre la valeur du tipi qui est 8, plus la valeur du poisson qui est 14. Alors 8 plus 14 donne 22, tu l'enlèves du total. 47 moins 22 donne 25. Alors, on sait que 1 sirop fois 1 sirop donne 25. Alors, pour trouver la valeur de 1 sirop, on va faire la racine carrée de 25. Et comme vous savez tout, probablement, la racine carrée de 25 est 5. Alors, la valeur de 1 sirop est 5. Finalement, on est déjà à la fin de notre énigme. Puis, pour la dernière phrase, on va compléter la dernière équation. Alors, le sirop fois un tipi, mais le tipi a aucun poisson. Alors 5 fois 8, la valeur du tipi, donne 40. Ensuite, on va ajouter la valeur du poisson ici parce qu'on fait peine masse. Alors on fait la multiplication avant l'addition. Alors 40 plus la valeur du poisson qui est 14. Alors 40 plus 14, 54. Et voilà la réponse. La réponse est 54. Donc j'espère que vous avez pu résoudre l'énigme. Puis passez une belle journée.